Les questions d'âge ont beaucoup plus d'importance qu'on ne pense. De l'extérieur, on imagine que Cobra, c'est une espèce de grande famille de peintres, tous nés le même jour, ayant exactement les mêmes idées, les mêmes intérêts, les mêmes avis politiques, sans qu'il y ait la moindre chose qui puisse les séparer. Or, l'âge est déjà une chose énorme, n'est-ce pas, comme séparation. Vous savez très bien que quand on est jeune, 2-3 ans de différence, c'est énorme. Mais il y a, à l'intérieur de Cobra, je ne sais pas, quelqu'un né en 1905, je crois, que je ne me trompe pas, en 1905, c'est Héroupe. Eh bien, je me prends, moi, né en 1927. C'est une énorme différence. Toutes les questions d'âge, et alors maintenant, de mort, entrent en jeu. On ne saura pas, on ne saura jamais, c'est ça le drame, ce que Jorn aurait pu faire à partir de maintenant. Et nous sommes en état de manque. Tout le développement de Jorn manquera, parce qu'il est mort. C'est épouvantable. Quand on pense à la chance d'un Matisse d'avoir vécu très vieux et toutes les merveilles qu'il a pu faire jusqu'à la fin de sa vie, il y a un arbitraire du temps qui intervient. C'est Malraux qui disait dans son dernier livre, si Van Gogh était mort à l'âge de Monet, il serait mort en 1939. Aussi, la chose merveilleuse, c'est que Cobra est un moment extraordinaire qui a permis une réunion de tous ces artistes venant de pays différents et de cultures différentes et de formations différentes qui ont trouvé tout de même une sorte de petite musique commune tout d'un coup. Qui n'a pas fini, je crois, de se développer. Parce que l'esprit de Cobra est une chose, à mon avis, qu'on ne peut pas interrompre à l'année 1951. D'ailleurs, on connaît Cobra à cause du développement de quelques individus. Hein, je pense donc à Jorn, à Dautremont, à Appel, à Karl Henning Pedersen, à Corneille.